Au point de vue de la réglementation, il y a une évolution importante suite à des endommagements. Il y a des accidents assez graves ces dernières années qui ont fait des tués, donc des personnes blessées, de l'effondrement de bâtiments suite à des travaux qui ont effectivement endommagé notamment des canalisations de gaz. Mais d'une manière plus ancienne, en 1989, il y a eu un accident assez grave aussi sur un pipe de nafta qui a été agressé par une entreprise de travaux pour faire des travaux tout simplement de clôture chez un particulier sans avoir fait les déclarations des TDICT et qui s'est soldé par 3 morts. Il y a eu aussi l'accident de Mulhouse qui a fait de nombreux tués. C'est un accident de gaz à partir de tuyaux qui étaient encore en fonte, donc ancienne génération. Ceci a conduit le ministère chargé de l'environnement de demander une action réglementaire, donc une réforme en profondeur qui a conduit à la prise d'un nouveau décret en 2011 et des arrêtés en 2012 notamment pour mettre en place le guichet unique. Ce qu'on appelle le guichet unique, c'est réseau canalisation qu'on trouve sur Internet, qui est accessible 24 heures sur 24, 365 jours de l'année, où on peut consulter sur la base de son emprise de travaux qu'on souhaite opérer, la présence de réseaux et leurs gestionnaires, qui sont ensuite consultés et qui répondent par un récépissé CERFA tout à fait officiel en indiquant les consignes de sécurité à respecter. L'entreprise de travaux est chargée par la suite de faire la DICT, donc déclaration d'intention de commencement de travaux, avant de faire les travaux sur la base de ces récépissés qui ont été délivrés aux porteurs de projets, donc généralement à des propriétaires ou à des élus ou des personnes qui ont des projets de construction ou tout simplement des infrastructures routières ou d'aménagement de l'espace. N'importe quelle opération à proximité de ces réseaux devra faire l'objet au 1er janvier 2018 d'une habilitation qui est délivrée aux différents acteurs, c'est-à-dire le porteur de projet, c'est-à-dire aussi le gestionnaire donc des réseaux et puis bien entendu l'entreprise de travaux. C'est ce qu'on appelle l'AIPR. Donc l'autorisation d'intervention près des réseaux qui est délivrée par au salarié par son employeur. Donc cette habilitation est basée sur une qualification qui peut être un diplôme universitaire, un diplôme d'une école, un diplôme de travaux publics, même un CAP, un DUT, un BTS. Ça peut aussi être un CACES, donc un conducteur d'engin. Par exemple pour une pelle, pour faire des tranchées. Alors, donc aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes informées. Au niveau national, c'est quand même très important, puisqu'on peut chiffrer ça entre 600 et 700 000 personnes. Donc c'est quand même une vaste opération. Il y a des centres de formation qui ont été habilités pour cela par le ministère et qui peuvent aussi former ces gens et leur passer un QCM, donc questionnaire à choix multiples, avec 30 questions pour les opérateurs, pour les intervenants, disons, de premier niveau et puis pour les encadrants, et 40 questions pour des concepteurs, donc des bureaux d'études et des donneurs d'ordre. Voilà. Aujourd'hui, on en est assez loin, mais les centres existent et des campagnes de sensibilisation sont faites, notamment par le biais de Préventica, mais aussi par d'autres possibilités qui nous laissent une tribune d'information et de sensibilisation, puisque cette action doit conduire à ce que le nombre d'incidents, le nombre de dégradations, le nombre d'endommagements et aussi bien sûr d'accidents soit réduit vraiment au possible, donc, et que le nombre d'accidents aujourd'hui qui peut encore être important et surtout grave de conséquences pour l'humain, bien sûr, et aussi pour la pollution, puisque si on attaque une tuyauterie qui renferme par exemple les produits chimiques, c'est quand même des pollutions et de la toxicité pour l'environnement.
Voilà notre action immédiate et qui a été entamée donc dès 2012.